Bonjour à tous et bienvenue sur Vidéo Test pour le premier podcast en compagnie de Frédéric Delavier, Michael Gundy et Wheezy du site. Bon, à commencer, alors les Michael et puis Fred, au niveau actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour moi? À quel niveau? Alors, ben, niveau, je sais pas, tes bouquins. On est en train d'écrire un bouquin avec Giro, avec Michael T. Gundy. Oui. C'est son nom, il a un vrai nom et puis il a un nom de combat. Ouais. C'est le seul nom qu'il avait dans les journaux américains et qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Lui, il était d'abord avant. J'ai fait mon bouquin qui a marché aux États-Unis, donc on a gardé le nom américain parce qu'on a vendu aux États-Unis surtout. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bouquin pour les Américains là. Ouais. Un bouquin pour les femmes, donc c'est assez intéressant. Donc moi, ça me permet d'étudier un peu les répartitions graisseuses, les exos pour localiser sur les fesses, tout ça. Et puis Gundy, là, il est en train de se charger, de faire toutes les recherches et d'écrire le bouquin. Puis des fois, quand je trouve des articles, je lui envoie, puis lui, il me les envoie. Il m'envoie des articles, il me dit, tiens, je veux ce dessin, puis comme on fait d'habitude, tu vois. Ouais, ouais. Je l'oriente vers des thèmes, il les relit, des fois, je les corrige. Des fois, je lui envoie des articles, je lui dis, tiens, il faudrait faire ça, comme ça, comme ça. Parce que des fois, moi, je ne peux pas écrire tout. Là, j'écris deux passages, mais lui, il écrit le reste et je peux écrire ça. Mais nous, ensemble, on fait le projet ensemble, si tu veux. Ah, ça, vous travaillez en complémentarité avec vos compétences voilà, que vous avez chacun. Oui, parce que moi, les recherches, je n'ai pas le temps de les faire, des fois. Non. Je suis à 100% sur la recherche. Moi, quand je fais un dessin, je fais la recherche sur le dessin, je ne peux pas tout faire. Ah ouais, c'est sûr. Puis ça prend beaucoup de temps. J'ai rien parce que Gundy, à la base, il est super muscu. Moi, super. Moi, j'ai body, musculation, complément alimentaire. Et moi, j'étais plus biomécanique, évolution humaine, tout ça. Donc, ouais. On est complémentaires. Ah ouais, c'est sûr. Puis ça, c'est ce qui fait le succès de vos bouquins, justement. C'est pas mal. Cette approche que vous avez eue, justement, pour les méthodes de Delavier. Enfin, surtout le 2 aussi, on voit vraiment l'approche selon chaque pratiquant est différent et en fait il n'existe pas un mouvement pour tous et chacun doit adapter etc pour pas se blesser c'est ça qui plaît aux gens. Puis c'est, on fait des petites on parle un peu sur l'évolution, on parle un peu sur différentes morphologies, on rajoute de la blessure. Ça n'a pas été fait et c'est vachement intéressant, tu vois. On rajoute des pathologies qui sont congénitales ou bien qui sont acquises. C'est vachement intéressant parce que les gens peuvent se dire, ah j'ai ça, moi j'ai vu, puis comme ça ils s'entraînent mieux, ils se blessent pas. Et puis nous, on s'amuse en même temps. Parce que et puis alors, depuis qu'on a Internet, surtout Facebook, c'est hyper réactif. Parce que moi, je peux te dire que j'ai toutes les blessures qui arrivent l'été. Tu vois, les blessures de l'été, c'est pas les blessures de l'hiver. Ouais. Ah, l'été, j'ai tous les mecs qui s'arrachent les tendons partout. Après, je me suis arraché les biceps. Après, j'ai l'épaule, je me suis fait mal à l'épaule, j'ai ça. Ah oui, ils sont tous au régime. Ouais. Alors, ce régime, ils cassent comme du verre. Tu vois, c'est marrant parce que moi, je les ai tous, comme j'ai quand même un gros Facebook. Donc, message personnel, en MP, j'ai tous les mecs qui se blessent. Donc ça me permet de faire progresser tout. Je veux dire, on a une accélération de l'information qui monte et qui redescend, c'est fabuleux. Voilà. Ah, et puis surtout que vous êtes réputé aussi, c'est ça qui est agréable, c'est que bah, vous êtes disponible. C'est-à-dire que vous écrivez vos bouquins, mais à côté de ça, et c'est gratuit, hein, alors qu'aux États-Unis, je pense qu'on kifferait payer, c'est que vous donnez des conseils comme ça, de façon bénévole. Non, mais d'accord, on donne des conseils de façon bénévole, mais nous, les mecs qui nous envoient des questions, c'est des questions sur des trucs qu'on se posera même pas les questions, tu vois. Ouais. Je me suis blessé comme ci, je me suis blessé comme ça. Moi, je me blesse pas comme ça, puisque moi, j'ai passé de morpho, tu vois. Mmh. Je m'aperçois qu'il y a des mecs qui se blessent d'une certaine façon. Je m'aperçois quelle blessure arrive, quel type de mec a ses blessures. On a pas mal de problèmes qui arrivent. C'est assez intéressant. Les répartitions graisseuses, on a des mecs, tiens, je maigris ici, je maigris dans là, je maigris dans là. Et alors, selon les origines des mecs, c'est pas du tout les mêmes questions, tu vois. Et justement, tu vois, en période de Ramadan, t'as eu beaucoup plus de messages par rapport aux blessures. J'en ai qui sont blessés au Ramadan, quand ils ont commencé, ils ont voulu s'entraîner à fond, ils sont blessés. Triceps, j'ai eu du triceps qui a lâché. Ah ouais, parti. Du tendon, en Ramadan, on a ça, parce que les mecs commencent à faire leur... Ils s'hydratent moins, tu vois, la journée, ils boivent qu'après le coucher du soleil. Ouais. C'est bien, ça unit la population, c'est un truc qui est pas mal parce que ça unit les gens dans un même effort. Tu sais, comme je dis tout le temps, on est plus unis par la souffrance que par la jouissance. Je veux dire, tu vas en discothèque avec les mecs, ça va, t'as fait les tranchées avec les mecs, les pieds dans la merde, t'es uni à vie, tu vois. Ah ouais, c'est sûr.
Non, mais c'est une base, ça unit un peuple. Hein. Dire, c'est fait pour unir. Dire, c'est, si Dieu a parlé comme ça, dire, Dieu a parlé comme ça par l'intermédiaire de son ange Gabriel, comme il s'appelle Mohamed, c'est. Il a parlé, si tu veux, pour moi, aux Arabes qui vivaient dans un certain milieu. Mmh. Mais c'est pour les unir, parce qu'à l'époque, ils devaient faire pas mal de conneries. Ouais. Ah, en tout cas, c'est vrai que. En tout cas, chapeau hein, pour ceux qui font Ramadan et qui continuent malgré tout à s'entraîner. Je trouve que c'est. Faut attention, moi, j'ai envie de s'entraîner après, plutôt le soir, après avoir bu, tout ça, parce que s'entraîner dans la journée, Dieu, il veut qu'on soit éprouvé, mais il veut pas qu'on casse. Ouais, non, c'est sûr. C'est le calife qui nous a mis dans les mains, hein, celle qu'on a à gérer, on doit la gérer jusqu'au bout de sa vie. Hein. Donc, si tu veux, c'est un effort qui est fait pour nous éprouver, pour nous renforcer, pas pour nous détruire. Moi, je ne fais pas, parce que moi, je suis européen. À la base, je pense que c'est fait pour renforcer une parole de Dieu qui est faite pour renforcer les mecs du Sud. D'accord. Les mecs du désert. Et toi, Michael, alors, est-ce que tu as le temps avec tout ça à lire, à continuer de te documenter les revues scientifiques, etc. Ben, je le fais toujours en parallèle, ouais, parce que si tu prends du retard. Et après, tu l'as profond. Ouais, j'imagine. Mais justement, en fait, tu sais, les connaissances que vous nous apportez, c'est en évolution aussi par rapport aux découvertes. Et des fois, c'est pas. Comment dire, c'est pas un peu troublant parfois d'affirmer quelque chose et ensuite, parce qu'il y a eu d'autres études de fait, d'affirmer son contraire par la suite. Non, bah, une étude, c'est juste pour la prendre comme c'est, hein, c'est pas. Comment. Les mecs, ils s'accrochent sur une étude, mais c'est juste comment. En fait, quand tu regardes les choses d'un peu pas de loin, quoi, tu t'aperçois qu'elles sont pas si contradictoires que ça, même si à première vue, le mec qui lit que le résumé et qui se dit que c'est la vérité absolue, il trouve ça contradictoire, mais c'est pas si contradictoire que ça sur beaucoup de plans. Hein. D'accord. Ah, parce que c'est vrai que là, en ce moment, il y a une petite polémique. Hein, on nous apprend que maintenant, la protéine de lait peut être dangereuse, etc. Alors qu'avant, on disait qu'effectivement, aucun danger avec la protéine. Donc, du coup, les gens nous écrivent parce qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Donc, en fait. Il y a une chose que j'ai remarqué. Quand tu vois arriver les mecs sur un forum en disant j'ai lu tout ce que je pouvais sur les forums, à droite, à gauche, etc. Tu sais que tu vas tomber sur des affirmations super gratinées, c'est que c'est les pires, ces mecs-là. Les mecs qui vont chercher l'information à droite à gauche. Il faut pas aller la chercher à droite à gauche, il faut aller chercher la bonne source, c'est tout, point. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, il y a tous les mecs qui me disent « Attention, tu fais des crunchs, tu vas te niquer le dos. » C'est vrai que tous les culturaux, ils ont mal au dos parce qu'ils font des crunchs. Ouais. Non, ouais. C'est du délire, quoi. Ah, j'avais vu ça, t'avais fait une vidéo d'ailleurs hein, pour les nonos du web, là. Les mecs qui te critiquaient, apparemment, c'est un truc de fou. Bon, très bien, bah, on va poser des questions donc, par rapport au training maison. Donc, c'est des questions que vous avez déjà dû répondre hein, auparavant. Bon, toi, Michael, en fait, on te voit, t'as beaucoup de machines. D'ailleurs, toi aussi, Fred, hein, à la maison, c'est du matos plutôt destiné aux pros. Mais pour des pratiquants, on va dire lambda, qu'est-ce que vous conseillerez éventuellement comme base pour avoir à la maison comme matériel? Qui c'est qui répond le premier? Moi ou Gandil? Ah ben comme vous voulez les gars. Gandil, tu conseilles quoi toi? Ben moi quand j'ai commencé il n'y avait rien du tout. Donc dans les années 80 il y avait vraiment très très peu de matos, donc c'était la misère. Aujourd'hui par le matos qu'on a, même le plus merdique, c'est quand même vachement bien. Donc il faut commencer halter. Si tu peux t'acheter une barre longue, le problème de la barre longue, c'est que des fois, on n'a pas la place de manœuvrer avec chez soi si la pièce est petite. Donc, minimum halter, si possible, un banc réglable, incliné, décliné. Mm-hmm. Et puis, le troisième, alors dans l'ordre, hein, je le donne halter en premier, banc en deuxième. Et troisième, si on peut avoir une espèce de repose-barre, quelconque, c'est pas mal. Bon, qui dit repose-barre dit qu'on a une barre, du coup, donc un peu plus, une largeur de pièce un peu plus grande. D'accord. La barre fixe. Ouais, pour les tractions, tout ça, ouais, c'est vrai que là. La barre fixe, moi j'aime bien parce que j'ai commencé avec ça quand j'étais jeune. Hein, j'ai commencé barre fixe dans le couloir qui allait à la cuisine, à la salle de bain, au chiottes. Du coup, à chaque fois que j'allais ou pisser ou manger ou me laver, je faisais les tractions, je m'obligeais à en faire.
Et ça m'a quand même donné un bon physique de base. Il fallait pas que je sois pressé hein, pour aller pisser, parce que j'imagine. J'étais gamin, tu sais, je me disais, ah, je vais faire ça. Je suis devenu vachement fort. À la fin, je faisais tractions d'un bras en série. Voilà. J'avais ça à la main, bah oui, mais c'était mon point fort. Je pense que j'avais une morphologie en plus. Donc la barre fixe, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Une bonne barre fixe de qualité, pas une merdouille. Hein. Ouais. Maintenant, ils commencent à en faire des pas mal qu'on met dans les portes et qu'on peut pas visser, mais qu'on peut essayer. On bloque dans la porte. Ah oui, j'ai vu ça aussi, ouais, effectivement. Ouais. C'est assez bien, j'ai essayé, elles sont relativement stables, tu ne fais pas la gueule avec. Parce que le problème des vissables, c'est qu'elles peuvent se dévisser, tu tombes, alors là, on passe souvent un accident, hein. Ah, ouais. Les petites yogas, mais c'est pas si gag que ça quand tu te fais vachement mal, quoi, tu vois. Je trouve pas ça si drôle, tu vois. Donc, c'est sûr qu'à un moment, des tréteaux pour faire du dips, hein, c'est pas mal aussi, moi j'aime bien le dips, hein. C'est bien pour les tripes. Autrement, moi, si j'avais choisi une machine maintenant avec le temps, mais ça coûte un peu plus cher, la première machine qu'il faudrait acheter, je pense, ça serait une espèce de poulie vis-à-vis, tu sais, d'angle de pièce. Ouais. Ah oui, c'est ce que j'ai sur mes vidéos, tu vois, on les trouve partout, tu vois, avec une barre fixe et deux poulies vis-à-vis. Et tu peux faire des réglables en hauteur, tu vois. Ouais. Faire du biceps, de l'épaule, dans tous les sens, de la traction, des fessiers. Et ça, c'est assez sympa, je trouve. Tu vois, c'est vraiment agréable. D'accord. Très bien. Ensuite, une autre question, justement. Que pensez-vous des machines qui sont vendues en France pour le grand public, hein? Donc, je pense notamment tout ce qui est Smith Machine ou alors même du matériel qu'on peut trouver, notamment à Decathlon, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui en achètent. Hein, quand on va sur le Bon Coin, les annonces, il n'y a que ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces machines, hein, qui sont vendues en France? Je te dis, moi, par rapport à le matos, par rapport à avec lequel j'ai commencé, c'est miraculeux. Le problème de ces trucs-là, c'est que c'est pas le point faible, c'est que quand tu vas prendre de la force, tu vas mettre plus lourd, et ce genre de bécane n'est pas fait pour mettre lourd, quoi. D'accord. C'est pas forcément que ça casse, mais ça va mal coulisser, ça va bloquer, tu vas t'énerver. Donc, ça devient dangereux forcément. Donc, après, faut monter en grade. Alors, est-ce qu'il faut tout de suite acheter du bon matos et puis avec un gros investissement ou faire des par étapes, ça dépend. Je l'ai trouvé que Body Solid faisait pas de la merde. Ouais, j'ai testé aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop mal. Hein. J'ai trouvé que c'était pas trop mal pour le prix que c'était. C'est presque dans les moins chers du marché, non? Ouais, c'est ça dépend lesquels, mais. Moi, tu vois, j'ai commencé d'ailleurs Wheezy à cette machine-là. J'avais la Smith Machine Cobra Movio, là. Donc, j'ai fait des vidéos dessus. Et j'avais pris ça parce que je trouvais le rapport intéressant au niveau du prix et de la charge maximale qu'on pouvait mettre dessus. Ouais, mais ils sont solides. Ils sont vraiment solides. Après, le seul inconvénient qu'il peut y avoir, entre autres, hein, c'est clair que, comme le dit Michael, c'est que quand tu mets du poids, forcément, l'usure, c'est pas fait pour, quoi. Les poulies. Là, Wheezy a montré des photos de sa machine, les poulies, elles sont complètement éclatées. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça, tu les changes. C'est si, par exemple, si t'as une poulie haute et puis que tu tords le bras, là, tu peux rien faire. Mais par contre, une poulie, de toute façon, tu la changes automatiquement, quoi. Ça sert à rien de payer un matos très cher qui aura des bonnes poulies. Mm-hmm. Prendre une merde solide avec des poulies de merde et tu les changes. Faut pas être con non plus. Ah ouais, ça c'est sûr. Et donc, justement, quels sont les conseils quand on prend justement ce genre de machine, hein, tout ce qui est tout en un, on va dire, les Smith Machines, quels sont les conseils que vous pourriez donner pour bien la choisir? Une règle de base, c'est que plus tu peux faire de mouvements, plus c'est un tout en un, plus tu auras tout de la merde. C'est ça le problème de ces trucs-là, quoi. Ouais, il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est que je trouvais pas mal, une invention, c'est les haltères réglables. Oui, on l'a testé. T'as deux haltères qui peuvent monter jusqu'à 35 kilos, des fois, donc c'est pas mal. Ça prend pas de place, et c'est assez bien à la maison. Hein. On a testé, on a même qui monte un peu plus, à 40 kilos, j'ai vu. Mais... Ouais, faut pas les jeter par terre, hein, faut pas les laisser tomber, parce que tu vas péter le mécanisme. Mais alors, pour tout ce qui est bras, épaules, même développé en faisant attention, je trouve que c'est excellent parce que vu l'encombrement, on se retrouve avec un rack complet d'haltères mais dans une toute petite surface. Et c'est vraiment agréable. Ah, moi, franchement, j'en ai un,
je peux dire que je m'amuse hein, des fois. Mais c'est vrai que ça c'est cher hein, quand même. L'achat, le mec qui achète ça. Et si tu calcules le kilo de poids que tu avais et tu aurais acheté, tu trouverais avec. Hein. Alors que là, tu as juste. Attends, mais réfléchis un peu. Moi, j'ai commencé avec une barre que tu charges toi-même. C'est beaucoup moins cher, ça prend pas de place. Et point final, hein. C'est de l'argent mal dépensé, ces haltères. Ils sont à combien, ces haltères? Oh, t'en as, attends, c'est autour de 400-500 euros, hein. Oui, si, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et encore, j'en ai vu, moi, c'était genre 300-400 euros, mais c'était l'alter. Donc la perf, fallait payer le double, quoi. Donc c'était. Un kilo de poids, c'est à peu près 2 euros. Donc tu vois, si 250, enfin disons que 200 euros, t'as le droit à 100 kilos. Ouais. Et tu trouveras, c'est de l'argent très très mal dépensé, ces alters. Moi, je les aime bien, hein, parce que vu la vitesse, tu peux accélérer les séries, ça te permet de faire du super set. Dans la vitesse grand V, c'est-à-dire que tu commences, tu veux faire de la dégressive à toute vitesse. Hein. Oui, bah, t'achètes deux petites barres, une fois que tu les as dépliées, que tu les as rangées, ça prend pas plus de place. Ça prend même plutôt moins de place que tes haltères. Donc, moi, j'avais payé ça 400 à l'époque, je trouvais qu'il était vraiment bien, et ça monte à 32,5, je veux dire. Franchement, j'étais. Et puis, ils ont pas pris une grille, ils tournent à l'aise, je m'en sers souvent. Franchement, je trouve que c'est à moi, personnellement, hein. Je trouve que c'est un bon achat. Mais non, c'est un très mauvais achat parce que toi, tu le comprends, mais ça coûte trop cher pour quelqu'un qui s'entraîne chez lui. Ah oui, par contre, c'est sûr que là, je confirme. Enfin, c'est vrai que moi, j'avais testé les fitness docteurs, donc eux, c'est les moins chers du marché, et franchement, je trouvais ça pas mal comme qualité et tout. Mais ouais, quand tu commences à dépasser les. Voilà, tu veux avoir les 40 kilos, là, tu douilles. Hein. Là, c'est pas pareil. Hein. Pour combien les 40? 500? Ah ouais, même plus que ça des fois. Enfin, ça dépend après les marques, hein, mais je sais que ouais, faut, ça dépend. Que tu peux avoir 250 kilos pour le même prix. Ouais, c'est sûr que. Ça veut dire que tu peux l'utiliser pour ta grande barre, parce que ta petite tes haltères, comment démontables, après, à côté, il faut que tu rachètes des poids pour, pour ta grande barre, parce que tu peux pas les mettre sur ta grande barre. Ah ouais, c'est pas faux. Comment c'est un très 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 mauvais investissement. À moins d'être milliardaire, on a vu récemment un mec sur le forum là qui était milliardaire et qui voulait un maximum de compléments, mais j'en ai pas vu beaucoup de ces mecs-là. Ouais, ils sont rares, malheureusement. Ok, justement, Michael, je te vois, nous te voyons souvent dans tes vidéos, tu bricoles beaucoup tes machines. Alors, tu as des machines qui coûtent assez cher quand même, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est des machines qui sont destinées un peu, c'est pour les pros, hein. Mais tu bricoles toujours dessus, donc c'est pourquoi? C'est qu'elles sont mal conçues ou tu. Le problème, c'est que quand les mecs ils construisent une machine, même si c'est les meilleurs du monde, ils ont beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est que une petite bonne femme qui fait 1m50 et un joueur de basket qui fait 2m20, faut qu'ils rentrent dans la machine. Donc moi, ces deux extrêmes, je m'en fous. Le seul qui m'intéresse, c'est moi. Donc déjà, je la remets à ma taille. Et la deuxième contrainte qu'ils ont, c'est que la plupart des mecs qui fréquentent les salles de muscu, c'est un peu comme les forums, c'est des crétins nés. Donc, il y a de fortes chances qu'ils se blessent avec n'importe quoi. Donc, ils sont obligés de mettre des mécanismes de sécurité drastiques qui font que même une bonne machine, ils sont obligés un peu de la brider, quoi. Donc, tu t'occupes aussi de ça et t'améliores grandement la machine. En plus, ça sert à rien d'avoir une machine perfecte, c'est pour ne pas l'améliorer, quoi. D'accord, donc c'est vraiment la. Et toi, Fred, tu fais pareil ou quoi? Moi, mais ça m'arrive de les faire construire, moi. Parce que j'ai des potes qui sont fabricants. D'accord. Donc, mais non, mais en général, moi, j'ai pas. Je fais vraiment des mouvements de base. Moi, je fais soulevé de terre, traction. Après, j'ai acheté certaines machines parce qu'elles me correspondaient. Je les avais testées en salle, tu vois. Ouais. Alors, j'attends qu'elles arrivent d'occasion chez un fournisseur, là, chez Coaching. Je lui dis que je veux ça, et quand ça arrive, il m'appelle, et puis je la prends. Comme je tourne un peu dans toutes les salles, je teste les machines, et puis il y en a que j'aime bien, d'autres que j'aime pas. Donc, je prends celles qui me sont adaptées. Tu vois? Ah ouais. Je fais pas trop de retouches dessus, quoi. Mais bon, il y a des machines que j'ai fait construire. J'ai fait construire ma trappe barre, d'après un modèle qu'on avait ramené du Fibo, qui était une copie ingénieuse chinoise d'une trappe barre. Et nous, on l'a fait encore mieux en la faisant olympique avec des rouleaux à bique. D'accord. Puis après, moi, j'ai une super trappe barre qui me permet de pousser le triceps dans tous les sens. On a mis deux côtés. On peut la prendre en se baissant beaucoup ou en se baissant peu. On a fabriqué ça, quoi. Pareil pour le développé couché.
Maintenant, ceux qui vont, c'est des bandes avec des supports réglables latéraux qui se faisaient avant, mais on les adaptait sur ces bancs, puis c'est Paul qui les a fabriqués pour les bandes couchées classiques qu'il avait, quoi. D'accord. Sur bandes couchées, moi je fais beaucoup de couchées, par exemple, je fais pas de couchées, très peu de couchées classiques, tu vois. Mmh. Moi je fais du stop and go en cage, tu vois. D'accord. Donc je commence avec la barre sur la poitrine, je mets le crantage à un endroit où elle me rentre à 2 ou 3 cm dans la poitrine. Donc je fais un démarrage normal, mais ça m'écrase pas, je peux lâcher la barre et repartir après, tu vois. Ah ouais, c'est ce que je faisais aussi, moi j'aime bien. Je sens pas à fond. Bah oui, en plus tu n'utilises pas la force élastique du muscle, tu vois. Mmh. Donc ça te permet d'avoir un afflux pas possible et quand t'as pas une pêche, tu détruis. Donc c'est un truc qui est en plus utilisable dans la vie de tous les jours, c'est pas un problème, tu vois. Okay. Donc, moi je suis stop and go sur une machine fabriquée par mon pote Henri, là, Atlas, qui s'est mis à les vendre aussi comme ça, parce que tous les powers utilisent ça maintenant. Et en plus je règle, plus je monte en charge, plus je peux régler mon support en hauteur pour finir avec des petites amplitudes, tu vois. Ce qui fait que quand je repasse en couché classique, j'ai même pas besoin d'en faire, parce que là, des fois, j'avais mis la pèse dans des salles, il n'y a pas ça. Quand je repasse en couché classique, j'ai progressé en force, tu vois. Ah ouais, comme quoi Comme quoi, tu vois, la dernière fois j'ai passé au coucher, je faisais 120 par 20, tu vois, alors j'étais bon. Ça je pense pas plus, parce que c'est pas moi, je suis street workout. Ouais. Donc je n'ai pas à faire du coucher en maxi, tu vois. Ouais, ça pourrait être, toi, tu travailles pour être efficace, justement, dans cette discipline. Dans 10 ans, alors, je travaille pour essayer de gagner sur les compétitions où je peux gagner et pas me disperser, tu vois. D'accord. Justement, tu peux en parler un petit peu, c'est donc le street workout. Ouais, bah, le street workout, c'est la nouvelle discipline que tu vois partout. Toi-même, tu as fait une vidéo, là, récemment. Ouais. C'était avec qui? Avec les... La Punishment Team. Punishment Team, là. Comment il s'appelle mon copain, là, mince. Iron Pusanowski, c'est son nom. Ouais. MC Jean Gamin, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a le... C'est cool. Il y a Sekou, voilà, qui a gagné mon concours, qui est très fort. Si, et puis je confirme, je l'ai vu en vrai, il est impressionnant. Il est très fort en traction, lui. Son truc c'est la traction, puis il est dynamique et tout, tu vois. Ah, puis il te montre ça, mais avec une facilité. Je me rappelle quand j'y suis allé, il y avait un soleil de plomb, enfin, il se tombait, tu transpirais à grosses gouttes, et les mecs ils t'enchaînaient les tractions, les muscle-up, enfin, la totale quoi. Enfin, c'est des blagues qui ne transpirent pas comme les blancs, ils sont plus adaptés. Hein. Ah, mais du tout. Ils se disent pas comme nous. Ah non, mais je veux dire que. Black, blanc, là, tout le monde était d'accord, hein. Il faisait 37 degrés, je crois. Tu étais où? Au plein de poche ou tu as été à l'entraînement? Non, c'est en fait, ils sont venus sur Orléans faire une journée d'initiation. Ah, oui, j'ai vu. Oui, t'avais la body, donc t'avais la body art Orléans aussi qui était là, et non, c'est sympa. Hein. Donc, non, c'était pas mal, franchement. Moi, je voulais aller voir justement pour voir un petit peu comment ça se déroulait, tout ça. Et j'ai bien aimé. Iron est par exemple. Iron est très fort en acrobatie, en figure, tu l'as vu, Iron? Ouais, si, il nous a fait des petits jours et tout, là. Il a un physique magnifique, on l'a pris pour notre livre, là, sur les tractions, donc, qui va sortir en septembre, la traction et le muscle. On va faire ça, pour tout dire. Septembre de l'année prochaine, je crois. Ah bon? Oui. Non, je l'ai eu, comme Coralie, il sera, ouais, en septembre. Tu l'as eu quand? J'ai eu cette semaine, il y avait une correction à faire. On m'a envoyé des trucs, j'ai envoyé des corrections. Parce que moi, il m'a dit cet hiver, donc ça va être minimum Noël, premier de l'an, février, je dirais. Non, je pense pas, je pense que ça va aller plus vite. Non, parce qu'ils ont. Attends, ils ont pas du tout commencé à travailler. Bon, enfin, c'est une parenthèse. Bon. Bon, on verra bien, de toute façon, mais c'est vrai qu'il est très attendu ce bouquin, justement. Hein, pour... Moi, je pense qu'il sera bien. Ouais, le street workout, c'est un truc qui est en train de gagner actuellement parce que c'est facile à pratiquer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller en salle, on peut le faire dehors en groupe de copains. T'as pas mal d'épreuves différentes qui peuvent intéresser beaucoup de types physiques particuliers, hein, comme j'avais dit. Hein. T'as l'épreuve de freestyle. Freestyle, comme ouais, freestyle. Des French accent. Le freestyle, alors t'as les mecs qui font des acrobaties, tu vois, là-dessus, c'est vachement impressionnant, tu vois. C'est des gymnastes, c'est un entraînement très très particulier. Et puis après, t'as les mecs qui font des concours de muscle-up. Ouais. Donc, ça passe au-dessus de la barre. Alors ça commence à avoir des règles, ils peuvent plus tourner comme ils faisaient avant, comme les mecs qui font le soleil en gymnastique, tu vois. Ça commence à se réglementer, donc on passe de 23 à 24 répétitions. Maintenant, les mecs sont en plein congrès, ils en font plus que 15, 16, maximum 20, tu vois. Ouais. Il demande quand même la technique. Hein. Au début, c'était un peu anarchique, mais c'était bien. Ça.
Il y a des broussailliers. Donc, tu as les mecs qui font du muscle-up, tu as les mecs qui font du dips, qui s'apprennent sur le dips, tu as les mecs qui s'apprennent sur des tractions. Donc, à chaque fois, c'est des physiques différentes. Tu vois, tu as des mecs qui vont être en triceps, pec pour les dips, d'autres qui vont être en pec pour la pompe. Par exemple, ils font les pompes aussi, concours de pompe. Puis, tu as des épreuves où les mecs doivent s'affronter sur des séries. Ça veut dire qu'ils doivent, enchaîner muscle-up, pompe, traction, dips. Tu vois, donc ça fait encore des physiques différentes, des mecs plus, qui sont plus résistants, peut-être moins bons dans un mouvement et plus résistants. Ouais. Donc c'est pas mal de catégories différentes. C'est amusant parce que tout le monde y peut, y participer. On peut s'entraîner partout avec des copains. C'est à l'extérieur. Les mecs peuvent aller en salle pour se... perfectionner, améliorer. Ouais. C'est très visuel quand tu es en freestyle pour la télévision. Tu as plein de télés qui demandent ça parce que tu vois les mecs tourner dans tous les sens, un côté un peu... fantastique, un peu. Ah ouais, c'est impressionnant. Les mecs qui font du parcours, tu vois, c'est intéressant. C'est moins dangereux que le parcours quand même, parce que les mecs, ils tombent de pas trop haut, bien que ça soit dangereux maintenant. Mais bon, les collectivités locales, maintenant, ils font des sols en caoutchouc, tu vois. Ouais, pour amortir. Voilà, pour amortir avec des barres équipées. Mais c'est comme à haut niveau, c'est dangereux. Les mecs sont réceptionnés. Beaucoup de blessures aux mains, tu vois. Pouce qui est. Blessures aux pouces, blessures aux mains, beaucoup de chutes. Mais quand même, il n'est pas si grave que ça parce qu'ils ne tombent pas non plus de très très haut. Ouais, non. Mais c'est quand même un sport, c'est bien, tout le monde peut le pratiquer. Mais justement. Ça donne un bon physique, ça donne un physique qui est agréable à voir. C'est ce que j'allais dire justement, parce qu'avant on parlait du poids de corps, donc se muscler avec le poids de corps, c'est une certaine limite. Mais là on voit des mecs avec des physiques impressionnants. Alors que je sais que parmi eux, en complément, ils font de la musculation avec des charges. Les mecs qui font du freestyle font pas forcément beaucoup de musculation. Ils peuvent en faire. Ils ont un poids faible, par exemple, pour la planche, pour des trucs, parce qu'ils ont plusieurs mouvements, tu vois, qui rentrent dedans, de la massive. Quand ils ont un poids faible quelque part, ils vont par exemple faire du dips lestés pour pouvoir monter facilement. Ou quand ils ont un tout petit peu de pêche en traction, ils vont faire un peu de salle, tu vois. Mais les mecs qui font du freestyle, en général, font un peu moins de muscu. Les mecs qui s'affrontent sur les compétitions, sur traction, dips, en général, eux, ils font de la salle en quantité parce que ça demande un gros moteur. Le mec qui va performer sur de la 50 traction, c'est des mecs comme Sekou, t'as vu le démarrer. Hein, ouais. C'est des mecs comme moi. Tu vois. Donc c'est des mecs, c'est des gros moteurs dans le dos. Tu vois. Si t'as un trop gros moteur dans le dos et dans les bras, tu feras plus du freestyle. Tu pourras pas tourner facilement. Mais avec un gros moteur, ça va t'handicaper. Tu vois. Ah, ben on voit des beaux bébés, et des mecs aussi grands que moi, ils font les 120 kilos. C'est un architecte là qui est pas mal. Ouais, ouais. Il a tapé combien de tractions, hein, je me souviens plus. Je sais plus, mais pour son gabarit, c'est il est énorme. Très fort. Hein. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, hein. Mais lui, pareil, c'est un mec qui va faire de la traction, tu vois. C'est un mec qui fait. Mais c'est marrant parce que t'as tous les gabarits. Alors, ça impressionne les gamins, ça peut être bien, ça peut être très visuel à la télé, ça peut être très impressionnant au niveau physique où t'as des mecs qui arrivent avec des gabarits presque de bodybuilder, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Pourquoi pas les jambes. C'est sûr que les jambes sont moins grosses. Ah ouais. Ils ont pas à faire de squat. D'un autre côté, ils s'adaptent au mouvement qu'ils doivent faire. Les mecs à côté, ils font du MMA, du sport de combat, de la taille, de la course, tout ça. Mais c'est vrai que si t'as de trop grosses jambes, ça va t'handicaper. Ah, puis ça fait un poids supplémentaire. C'est un poids supplémentaire à monter. Puis c'est pas utile, on va dire. C'est cool qu'il y a un mec intelligent que j'ai vu passer avec qui j'ai aussi un peu affronté avec lui. C'est un mec que j'ai vu tout de suite, quand il commence une compétition, il va enlever ses chaussures, tu vois. Ah ouais. Il ira jusqu'à enlever ses chaussettes. Parce que le peu de grammes que tu enlèves, ça te permettra de gagner une répétition. Ah, puis même psychologiquement, je pense que ça doit peut-être y jouer aussi un peu plus, justement, que... Ouais, non, mais ça joue, parce que quand t'as mis 40 reps, si t'as enlevé les pompes, je peux te dire que la 40 que tu vas passer, c'est 41. Tu vois. D'accord. 42. C'est du technique. Hein. Ah ouais, j'imagine. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal. Après, il y a des mecs qui peuvent pas monter les barres, tu vois. Ils sont très bons au début du mouvement, pas à la fin, donc c'est les mecs qui vont avoir intérêt à bosser la fin du mouvement biceps. Donc c'est les mecs qui vont se manger du biceps pour terminer le mouvement. Alors, t'as ça beaucoup chez les Africains qui ont des grands bras, ils commencent bien le mouvement et quand on demande de passer le menton, c'est plus dur pour eux. Ah ouais. Bien qu'ils soient larges d'épaule parce qu'ils ont de grands avant-bras. Tu vois. Donc ils vont être obligés de commencer dans du gros bras, du bras, tout ça, tu vois. Ils sont forts, toi, comme ils ont moins de jambes, ils sont un peu moins lourds au niveau des abdos que les Européens. Voilà, les Européens, ils ont un bide plus large, une taille plus large, donc ils vont être un peu handicapés, tu vois, au niveau du poids à charger, tu vois. Plus de poids dans le bide, tu vois. Puisqu'il y a une adaptation au climat européen, tu vois. C'est... Ah ouais, t'avais fait justement une vidéo, tu parlais de ça. Ouais, comme je disais, on stocke le gras pour l'hiver, pour faire des réserves,
Et on stocke où? Ben, on va stocker un peu sur la peau partout, puis on va stocker dans le vide, tu vois. Ah ouais, ben, je suis bien au courant de ce problème-là, personnellement. Ok, bah, ton... Tes habits sur la plage, quand t'es à côté d'un Sénégalais, tu dois pas avoir les mêmes looks. Non, non, non. Hein, t'as les gros bras, t'es fort, mais bon, le vide... Moi, t'avais les ancêtres du Nord, mais non. Non, mais ouais, maintenant, moi, c'est mon côté maghrébin. j'ai des fesses aussi. Ok, de toute façon, bon, on aura bien évidemment tout ça dans votre prochain livre. Le manque de nourriture, tu vois, le manque de nourriture à un certain moment, tu vois, les pénuries. Ouais, ouais, ça fait grossir. Ça peut être manqué pour le froid, parce qu'un manque de nourriture à cause du froid, les autres, c'est parce que le climat est aride. C'est marrant tout ça. Ouais, c'est des différents qui s'affrontent, et c'est vraiment très agréable à voir, c'est qu'on voit une très bonne mentalité, tu vois. Ouais. Et pas d'animosité, les mecs créer un univers avec des habits, des t-shirts, des trucs, des machins, c'est vraiment très très sympa. Ah, c'est sûr que ça, c'est pas mal, moi j'aime bien aussi, hein, franchement, en bonne ambiance et tout. Et voyage partout, dire, on reste pas chez soi enfermé avec deux chaises et une barre d'action, si tu veux. Ah ouais. Non, mais on voyage, si tu veux, l'avantage c'est que les mecs ils vont faire une compète dans le sud, ils vont monter à Paris, après il y aura une compète ailleurs, tu vois. Ah mais t'avais une compète aussi qui s'est déroulée à l'étranger là, je crois que c'était... La Riga. Ça doit être ça, ouais, je pense. C'est arrivé en Lettonie. Ah oui, voilà, si, c'est ça, effectivement. Après, je sais pas ce que la France a donné ou pas, mais... Le pays de mon ancienne chérie. Ah. T'es bien là, t'en as eu combien, prétexte de la vie mais... Tu sais, j'ai 46 ans, alors des copines avec qui j'ai vécu longtemps, j'en ai pas mal. Ouais. C'est vrai que... Enfin bon, donc ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler lorsque votre livre sortira. Alors, on sait pas, à septembre, ou 2013 ou 2014, on verra bien. Une dernière question pour les machines. Que pensez-vous des appareils à élastique ou de résistance à l'eau? Alors ça, j'ai vu au centre du fitness, c'était à la mode. Voilà, ça coûte cher. Et puis, est-ce que c'est efficace? C'est efficace. On s'en sert, mais pareil, pour le prix, je suis pas sûr que tu gagnes, quoi. Ah, ce que j'ai vu, c'était extrêmement cher quand même. Hein. C'était les machines. C'est comme tout, les élastiques, il faut les changer à certains moments. Et puis, je crois que l'eau, il faut se méfier, parce que, tu sais, ceux qui avaient des rameurs, enfin, je le connais pour les rameurs, il y a des rameurs, il y a une réserve d'eau, et c'est ça qui te donne la résistance. Mm-hmm. Et les mecs, ils me racontaient qu'ils avaient du tout jeté à la poubelle, parce qu'il y avait des algues qui s'étaient foutues dedans, et ils avaient été incapables de les nettoyer. Des bactéries, en plus, c'est l'eau puissante. Eh ben, ça c'est sympa la machine qui coûtait je sais pas combien en plus. J'avais au gymnase club avant, quand j'étais jeune, c'était les gymnase club, avant les clubs Magic à Paris, les chaînes comme ça, et ils avaient acheté toute une gamme, et à la fin c'était vert à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Je cherchais les poissons dedans, tu sais, comme dans les aquariums. T'avais des algues vertes partout qui poussaient. Ça faisait un côté marécage, quoi. C'est super, sympa. Dis-moi, Wizzy, t'as une question à poser pour les machines ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. On va parler aussi alors, des compléments alimentaires. Donc, vous avez écrit un bouquin, alors que nous, on utilise beaucoup hein, pour nos tests. Donc, c'est le guide des compléments alimentaires. Mais comment le pratiquant lambda doit-il l'utiliser? Ça, c'est Jérôme qui va répondre mieux que moi, c'est le spécialiste. Ouais. Il y a deux façons d'apprendre le livre. Soit le gars... il n'y connaît rien du tout et il veut prendre du muscle, donc il se rapporte au chapitre sur les compléments alimentaires pour prendre du muscle. Soit il y connaît un peu plus et il veut par exemple une whey, donc il peut regarder quels sont dans le livre le chapitre où il y a les whey, il regarde les différents types de whey, comment les prendre, les résultats qu'il peut obtenir, etc. D'accord. C'est pas forcément un livre qui se lit de la première à la dernière page. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, si on veut avoir des informations sur la web, bon, bah, on se met un chapitre qui en parle et puis on regarde un petit peu. Nos livres, en général, je conseille de pas les lire comme un roman du début à la fin. Moi, je conseille aux mecs pour pas perdre de temps, bah, ils vont à l'article qui les intéresse. Hein. Ne vous faites pas chier. Hein. C'est à moins que vous allez prendre des concours à passer, vous voulez pâter la galerie. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser nos livres en ouvrant à la. Par exemple, vous cherchez une protéine, ouvrez la page protéine et regardez. Vous cherchez, tiens, la vitamine C, j'ai envie d'en prendre, regardez la vitamine C. Hein. Pareil pour mon livre des exercices de musculation, tu vois.
tu veux faire une barre, tu regardes les exercices que tu veux faire. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais moi, justement... C'est plus simple, c'est moins chier. C'est des guides, hein. C'est comme les guides de survie de l'armée américaine, tu vois. En fait, vous donnez des outils pour que les gens puissent pratiquer tout seul, quoi. Voilà, faut l'ouvrir quand on est confronté à la situation. D'accord. Autrement, ça n'a aucun intérêt à part devenir un sage savant. Ok, alors justement, par rapport à ça, donc il y a des études, donc c'est du concret, ce sont des études indépendantes. Michael, tu as lâché beaucoup, beaucoup d'études, tu regroupes après, enfin, c'est fait de façon très sérieuse. Malgré tout, lorsqu'on prend, nous, quand on teste certains produits, on constate, alors je vais prendre par exemple les boosters, c'est l'exemple le plus flagrant, on constate que les concentrations ne sont pas du tout celles qui sont recommandées par les études, et pourtant, malgré tout, on réussit à avoir certains effets. Donc, tu peux expliquer ça comment ? Bah, les boosters, il n'y a pas d'études, hein, je sais pas. Après, c'est les recommandations du fabricant, mais il y a très très peu d'études sur les boosters, que ça mélange tellement de machins que... Ouais, enfin, c'est les études sur les ingrédients, en fait. Je sais que sur la guinine, par exemple, j'ai lu... Le problème, c'est qu'une étude sur la caféine, une fois que tu as rajouté du DMA avec de la caféine, ça, tes dosages de caféine, ils sont plus du tout, ils correspondent plus du tout, donc... D'accord, ouais, ça c'est intéressant, effectivement. Et comment bah, la caféine, de manière, les boosters, c'est pas difficile hein, pour trouver le dosage. Tu commences très très petit, tu regardes s'il y a de l'effet, si tu as des effets secondaires, et puis si tout se passe bien mais que tu n'as pas d'effet, eh ben, tu augmentes. Et puis si le jour où tout se passe bien et que tu as des bons effets, bah, tu restes là, point final, hein, tu n'as pas besoin d'études, de machin. Et... Ah, pour tout, hein. Ouais. Ouais, donc du coup, il ne faut surtout pas en fait, regarder les recommandations d'usage, il faut tester par soi-même. Quoi. Non, mais ce qu'il ne faut pas, c'est commencer avec, tu vois, s'il y a écrit 3 gélules pour un booster, et bon, pour les protéines, c'est moins embêtant, mais pour un booster, si on dit prenez 3 gélules, il ne faut pas prendre 3 gélules du jour au lendemain, parce qu'il y a des gens pour qui ça va se passer bien, mais il y en a d'autres, ils vont crever, quoi. Ouais. C'est ça le problème de tous ces excitants cardiaques, c'est pas top. Hein. Moi, personnellement, je suis contre. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas bien de se booster avec des méga doses d'excitants. Ça fait un peu nightclubber, excuse-moi, mais bon, l'entraînement, c'est pas fait non plus pour se détruire. C'est fait pour être bien. À moins que le mec gagne sa vie avec une compétition et qu'il doit payer son assurance et entretenir sa famille parce qu'il y a des enfants, tout ça, il y a des responsabilités. Je vois pas l'avantage de se défoncer la gueule avec des boosters à l'entraînement. Tu vois ? Ah, puis en tout, là, ça a fait polémique, là, récemment, là, vous avez vu. C'est pour la championne d'athlétisme là, qui s'est fait choper. Comment elle s'appelle déjà ? Alice Deco Desto, je ne sais plus. Vous êtes au courant cette histoire ? Enfin, de toute manière, c'est toujours des. On nous prend pour des cons, donc c'est même pas la peine de. Je veux dire, pour moi, c'est de la merde. Pour moi, c'est simple. Hein. Booster et vasodilatateur, pour moi, c'est de la merde. Ah, bah comme ça, au moins, c'est clair. Je veux dire, tu le fais pas. Tu vois, c'est un truc qui ne sert à rien. Sauf à montrer qu'on a des veines et être excité à l'entraînement. Ouais, ouais. C'est vrai que... Je dirais même que c'est encore plus nocif, moi que les mecs qui prennent des petites doses de stéroïdes ou de GH. Tu vois. C'est de la merde, c'est de la drogue. Ouais, Si, là, c'est de la drogue légale, mais c'est de la merde. Toi, c'est pas pareil que prendre un petit peu de caféine pour se réveiller. Les mecs, ils en prennent, ça fait comme les night clubbers. Tu vois. Ouais, c'est juste pour... Enfin, ça... En plus, bah, je crois que si t'as... Enfin... Tu le disais aussi, mais il y a aussi Julien Vénesson qui en parlait, c'est que voilà, ça a apporté plus de congestion par exemple, mais en aucun cas ça va avoir une influence sur la construction musculaire. Avoir des bêtes, pourquoi ? Ça sert à quoi ? À part pour bander, si tu as un déficit et tu veux brancher une meuf et tu veux avoir l'air d'être bien pour qu'elle reste avec toi et éventuellement procréer après, je veux dire, quel est l'avantage ? Et toi, t'allais dire un truc, Louisy ? L'avantage en salle de gym d'avoir des grosses bêtes. Ouais, rien, mais que juste, enfin, il y en a pas mal en fait qui peuvent pas s'en passer de produits comme ça. Là, qui peuvent pas s'en passer. Ouais, ouais. C'est une drogue. Les mecs, ils achetaient du Jacques Daniel à un moment. Maintenant, du Jacques 3D. Non, Jacques Daniel. Non, je connais pas l'alcool. Vous prenez du Jacques 3D. Les mecs, t'avais tous les nightclubbers qui se ramenaient au magasin et qui vidaient les stocks de Jacques 3D. Parce que les mecs s'étaient aperçus. Que 5 ou 6 gélules de Jacques 3D, je sais pas la dose, hein, c'était mieux qu'un râle de coke et moins cher. Ah ouais, carrément. Tu te retrouvais avec tous les nightclubbers qui venaient se sevrer de cocaïne en achetant du Jacques 3D. Tu vois dans lequel domaine était tombé. Ah, on n'est plus dans la muscu, on n'est plus dans le sport, on n'est plus dans la performance, on est dans le délire.
Bah, pour moi, c'est de la merde. Sans compter les vasodilatateurs à base de targinine et de je sais pas quoi, là. C'est de la merde. Surtout qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a ce qui est indiqué, mais... Quand t'as le sang trop liquide, ça peut générer des micro-hémorragies qui sont pas top. Alors, t'auras pas d'arrêt cardiaque, mais tu peux avoir des micro-hémorragies dans des organes. Ce qui est pas le top non plus. Tu vois. Ah ouais, ça s'embise, ouais, effectivement, les parois. C'est ce que j'avais lu aussi. Non, mais... faut éviter, surtout qu'il y a des gens qui ont le sang plus ou moins liquide. Donc, on va éviter ces conneries. Donc, je dis aux mecs, à tous les mecs, ne prenez pas de vasodilatateurs et ne prenez pas d'excitant en forte dose. Un café, ça va. Quand vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre une petite gélule avec du guarana, avec un truc, ça va, c'est pas grave. Mais si vous vous gavez de ça, c'est grave. Tu vois ? Mais en fait, elle dit que... elle dit qu'en fait, elle avait testé le No Shotgun. Et qu'à l'intérieur, attends, je suis en train de retrouver la page là, en même temps que je te parle, il y avait du bup 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 bup. Enfin, t'avais un produit dopant à l'intérieur. Donc, comment ? D'ailleurs, la DMA, c'était un produit dopant, mais comme ça a été interdit, ils en ont trouvé d'autres. Ouais, on va parler de la DMAE maintenant. Ah non, mais de toute manière, ils trouvent toujours des dérivés. Non, il y a tout le temps des labos anglais qui bossent derrière. Et qui s'amusent à trouver des drogues, juste avant, ils les vendent, donc ils sont, c'est les Anglais, c'est un peuple très branché législation, donc ils s'amusent à trouver des drogues, à les commercialiser, et à les enlever, et les changer un peu, à les enlever quand il y a une loi qui arrive pour les interdire, tu vois. D'accord. Et puis ils passent par les billets, alors c'est pas une drogue, c'est un truc pour le sport, c'est un truc, mais on est dans le trafic de drogue, si tu veux, à ce niveau-là. Bah ouais, elle disait que c'était du bêta-méthylphényléthylamine, en gros des amphètes qu'il y avait dedans. C'est top. Ouais. Mais justement. Plus le nom il est compliqué, plus tu sais que. Non, et puis t'as le délire. T'as le délire de tous les cultos. Moi, franchement, j'aime bien le culturisme. Hein. J'aime bien les mecs quand ils sont musclés et tout. Mais le délire de vouloir être sec, moi, je fais une guerre contre, si tu veux. C'est bien. Je veux dire, quand tu t'appelles Moussa et t'essayes d'égaler à être sec. Moussa, il ne fait pas d'effort particulier pour être sec, il n'est pas son physique, tu vois. Ah ouais. Sec parce que dans sa famille, papa et maman est sec parce qu'il fait 40 degrés, on mange bien et tout, et il n'a pas de terre de gras, il n'a pas d'adipocyte au niveau de la peau, tu vois. Mais quand un Européen cherche à être sec comme Moussa, tu vois, ou ressembler à un mec qui fait des concours de muscu, c'est du délire. Parce que pour griller ses dernières réserves de graisse, il va se mettre en carence. Il va abîmer son système, son organisme, il va niquer ses tissus, et il peut arriver à la rupture musculaire, il peut arriver à dégénérescence de tissus. Alors quand t'as un tendon qui fait claque et qui remonte, tu peux plus le faire opérer. Quand t'as le cœur qui fait claque, ouais. Non, il fait rien, tu vois. Ah ouais, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Et c'est surtout sur les années de régime comme ça, c'est-à-dire les mecs, le trop de gras, c'est mauvais. On le sait, le cœur pompe, trop de mauvais gras, c'est athérome, c'est cholestérol. Mais pour un Européen, pas de gras du tout. C'est mauvais aussi. Terme, ouais. À tous, il y a des Européens secs, on trouve de tout, hein, les mutations, tout ce que vous... Mais à long terme, c'est dégénérescence des tissus et puis problème cardiaque. Moi, j'ai mis dans une vidéo, en Hongrie, le petit prince du fitness qui s'appelle Orbi, qui est un millionnaire, qui a fait maigrir la Hongrie. C'est vraiment trop gras, il vous fait trop, tu vois, il a fait des télés. Le mec est un ancien obèse qui a fait du fitness, je l'ai connu quand il était jeune. Le mec, il a du courage, mais il est tout le temps au régime carencé. Il n'arrête pas de faire du sport, tout sec et tout, pour faire ses vidéos et tout. Mais le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'il est comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? Problème cardiaque. Tu vois ? Ouais, ouais. Je me sens que tu n'avais pas fait une vidéo sur ça ou... Si. Ouais. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pareil pour Jean Texier. Feu Jean Texier, que j'aimais bien, qui était sympa. C'était un copain. Il a passé sa vie, le mec, à être sec. Mais sec de chez sec. Ah ouais. Franchement, régime. Le mec, il a fait un arrêt cardiaque dans sa salle à 61 ans, un truc comme ça. Quel âge, Jérôme ? C'est pas, ouais, quelque chose... Un truc comme ça. Attendez, être sec, c'est bien. Être trop sec, vous dégradez vos tissus quand vous n'êtes pas fait pour. Moussa, au Sénégal, il fait pas d'effort pour être sec. Tu vois ? Ah ouais, c'est sûr. Il faire un peu gras, s'il veut faire ça toute sa vie, il va se niquer la santé. Qui garde une petite bedaine, pas trop, pas de bille, pas une petite bedaine, une petite bouée très légère. Il sera en meilleure santé, et une fois dans l'année, il va sécher un peu pour aller à la plage et emballer de la meuf, tu vois. Non mais, c'est ça, tu vois, et puis Ghislaine, pareil, elle va éviter d'être trop sèche si c'est pas sa nature. Si elle devient un gros loukoum, c'est pas bon. Si elle est trop sèche, elle risque d'être anorexique, elle se bousille. D'ailleurs, les anorexiques meurent de ça. Ouais, si.
On est dans l'anorexie. Et alors, on a toutes les gravures de mode, avec les mecs avec les tablettes de chocolat et tout. Mais les mecs, c'est pas une preuve de santé. Tu vois ? Non, de toute façon, c'est vrai que les mecs qui font de la compète, c'est extrême, parce qu'on les voit, ils sont là, même, ils disent, ils sont fatigués, ils ont les joues creuses, ça fait... C'est du grand n'importe quoi. David Kimberley, qui est un ami, on a bossé avec, vraiment le mec qui est agréable, il est sympa. Ouais. Il n'est pas sec toute l'année comme ça. Il est sec pour les photos. C'est un professionnel. Il essaie de se conserver bien, il fait très attention à son alimentation parce qu'il en vit. Et le mec, il faut voir les efforts qu'il fait pour être sec. Mais ça dure juste le temps de la photo. Il était obèse avant, justement, lui, me semble, avant. Oui, il était un peu gras avant. Ouais. Le mec, il a, pour faire les photos, c'est un Américain, donc les Américains sont pragmatiques, ils payent son assurance sociale avec. Hein. Ouais, ouais. Lui, être sec, ça lui permet d'avoir un toit, de payer son assurance sociale et de ne pas être à la rue. On n'est pas en France, tu vois, où il y a la main tendue. Ah ouais. La main tendue, tu ne montes pas. C'est-à-dire, tu as beau bosser, tu ne montes pas. Par contre, tu tends la main, on donne le croûton de pain. Les États-Unis, tu bosses, tu montes, tu tends la main, on ne donne rien. Ou un peu par la station, mais vraiment, on n'est pas en France. Le mec, il fait très attention, juste au moment des photos, parce que c'est son gagne-pain. Ah ouais. Il coupe même long pendant une journée et tout, il connaît les horaires, tout, il monte, et dès qu'il a fini, ouf. D'accord. Donc, Frédéric Delavie déconseille de rester donc sec. Tout année. De toute façon, on le sait en plus, hein, forcément, c'est non, pas. Non, c'est pas votre nature. Ah ouais, quand c'est pas votre nature, ouais, c'est sûr. Mais bon. Enfin, en tout cas, moi, ton conseil, je suis à la lettre. Hein. Je suis pas sec du tout. Hein. Après, il y a de ne pas aller dans les veines. On va dire que c'est l'inverse. Tu vois, je suis rouge, je me laisse aller, je me sens bien. Ouais. C'est sûr, je me sens bien grand. Mais trop, c'est trop, si tu veux. Comme j'ai dit tout le temps, 20 kilos de gras à porter, ça pompe, tu vois, comme 20 kilos plus d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ça fatigue le cœur. Alors si t'es un grand gabarit d'un mètre 4, t'es pas loin d'un mètre 90, non ? Ouais, 87, moi. Ouais, voilà, t'as un grand gabarit, donc toi, ça va, ton cœur, t'as un gros cœur. Mais un petit qui grossit et qui est énorme, c'est pas trop bon, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Le muscle à pomper, c'est des muscles à pomper comme du gras. Ça demande un effort. Ouais, bah ça, c'est vrai qu'il faut, voilà, faut éviter d'aller trop dans les excès, quoi. À part, bon, après, ceux qui font des compètes, c'est autre chose, mais en tout cas, le pratiquant... Les compètes, c'est autre chose, on demande d'être performant à certains moments, ouais, tout ça, c'est dans un autre domaine, tu vois. Ok. Alors, justement, concernant donc, le livre, donc, dans ce bouquin-là, on apprend que certains compléments alimentaires, en gros, bon, bah, faut le dire, c'est de la merde, quoi. Donc, il y a les marques qui continuent à vanter certains produits, certains composants, certains ingrédients, et dans le bouquin, bon, on voit que c'est pas tout à fait vrai, etc. Vous avez jamais eu de problème, justement, avec ces revendeurs, ces marques? Ils ont jamais menacé d'attaquer ou quoi? Parce que ça fait du temps à leur commerce, un peu, hein. Non, pas moi, pas spécialement, indirectement, parce que, comment, on l'a raconté dans une vidéo, je crois qu'elle est pas sortie, mais j'avais dit à un mec... une grosse marque, hein, qui voulait sortir des produits innovants et tout, j'avais vu les formules avant qu'elles sortent, puis j'avais appelé le mec, et puis j'avais dit, mais c'est vraiment de la merde, et puis, bah, en gros, j'ai été lourdé, quoi, mais c'est tout, quoi. D'accord. En général, ils nous aiment bien, hein, parce que, de toute façon, on a amené plus de mecs à acheter des produits, on en a détourné. Ouais. Parce qu'il y a des produits qui sont vraiment bien, hein, faut pas rêver, il y a des trucs qui sont vraiment formidables. Hein. Ouais, de toute façon, c'est tout ce qui est de base. Hein. Petit monohydrate en petite quantité, c'est vraiment, c'est miraculeux, tu vois. Mm-hmm. Les BCA, c'est pas mal, bien qu'il y ait des BCA de mauvaise qualité, tu vois. Mais en général, les BCA, c'est pas mal. En plus, un petit booster intellectuel, ça peut pas être en carence, c'est bien. La vitamine aussi, on parle peu, mais c'est vrai qu'il y a des vitamines. Oui, et les progrès qu'ils ont fait avec les protéines, ouais. C'est vraiment fabuleux. Même s'il y a des gens qui ne tolèrent pas et qu'on voit encore de la merde, tu vois. Mais de plus en plus, il y a de bonnes protéines. Ouais. Mais après, le problème, c'est que, comme je le dis, hein, c'est que les études, tout ça, ça démontre bien qu'il y a certaines choses qui marchent. On parle notamment de la créatine monohydrate, on sait que ça marche, etc. Mais c'est vrai qu'après, on n'est pas sûr forcément de la qualité. C'est sûr que si on a un produit qui est fait de façon. Il ne respecte pas les normes, c'est ça le problème. Hein. Dans le complément alimentaire, on trouve de tout, en fait. Hein. On trouve les BCA, c'est fait à base de quoi, Jérôme ? Les quoi ? Les BCA, c'est fait à base de quoi ? On la ressort à chaque fois, on aime bien. Quoi. Voilà. Personne ne communique trop là-dessus. Parce que une fois, il y avait une rumeur, aux États-Unis, ils disaient t'es avec des cheveux de prisonniers chinois. Non, mais bah oui, mais c'est pas des cheveux qu'ils ont, comme tout est fabriqué en Chine. Surtout les poils de couilles dedans.
Ils font ça, les Chinois. Et c'est vrai que les mecs communiquent pas trop sur la matière première de leur... C'est du cannibalisme. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui vendent justement des compléments alimentaires à des bas prix d'or, alors que les ingrédients, ça vient justement effectivement de Chine et tout, là. Et... En général, ils les prennent à partir seulement des poils des animaux d'abattage ou bien les plumes, les canards, des trucs comme ça. D'accord. Pas tous? Non. Ah non, il y a des prisonniers chinois aussi. Des prisonniers chinois. Ça, en fait, on en apprend des bonnes quand même. Quand les BCA sont noirs, c'est du chinois. Quand ils sont blanc clair, c'est des prisonniers suédois. Ah, il y en a aussi là-bas aussi, bah, purée, les pauvres. Il y a pu en avoir beaucoup, hein, des prisonniers. Non, mais c'est vrai qu'il paraît que c'est des faits à base de poils. Et de plumes. Des cheveux. Ouais. Et après, pour vérifier, c'est super dur. Ouais. Parce que tout le monde ferme sa gueule. C'est vrai que justement, peut-être que Yoli, tu vas savoir, toi, tu as les compléments alimentaires, donc tous les jours, tu en as des nouveaux qui sortent, qui sont vendus en France, et pas tous les jours, mais régulièrement, tu as des descentes de la représentation des fraudes qui te les enlèvent. Ça veut dire que nous, en fait, on consomme des produits qui peuvent être dangereux pour la santé, mais. Comment ça marche, en fait, tu sais, comment le processus pour qu'un produit soit autorisé à être vendu en France? Parce que je pensais qu'il y avait des contrôles de fait, des vérifications, et en fait, on se rend compte que bah, pas tant que ça, en fait. Non, mais en France et en Europe, il y a une liste, et puis si c'est sur la liste, t'as le droit de le vendre, si t'es pas sur la liste, enfin, le temps qu'ils contrôlent, c'est pour ça que les mecs, ils arrivent à vendre des trucs qui sont pas sur la liste. Ah ouais, parce que bah, c'est comme le Jack 3D, par exemple, là, parlant de lui, il a été vendu pas mal dedans, hein, avant qu'ils disent, tiens, bah, on va l'interdire, le machin, parce que... C'est pas une liste faite par un fonctionnaire qui connaît rien, qui me rassure, hein, j'en ai rien à foutre, que ce soit sur la liste ou... Après, ils ont lancé du Jack 3D, là, récemment. Alors, il n'y a plus du tout les Altair Booster, mais tous les ex-drogués viennent prendre leur Jack 3D en pensant se redroguer. Bah justement, Wheezy l'a testé, tu pourras en parler, Wheezy, en gros, de ton donc, test. Donc, tu prends du Jack 3D... Tu veux aller en disco, tu achètes ta boîte de Jack 3D et ça ne fait rien du tout. Ah ouais. Donc tu es obligé d'aller récupérer ton vendeur de cocaïne. Mais nous on comprend pas parce que Wheezy a fait le test justement du Jack 3D micro, le nouveau là. Et en gros, hein, pour résumer, il a dit, bah, en gros, je ressens rien du tout. Mais tu trouves quand même des tests où des mecs ils te disent ouais, congestion, machin et tout. Donc c'est le même que tu as en Europe et aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, ils ont retrouvé un truc encore pour mettre dedans. Ah, ça, on est pas au courant, ça. Vous dites, t'as acheté où, toi? T'es en France? En France. Ah, ouais, bon, bah. Ah, mais c'est vrai qu'après, je sais que quand on achète des produits, c'est facile de différencier. Il y a la version américaine et la version, on va dire, canadienne, je crois, qui est bonne pour l'Europe. Donc, je sais pas ce qu'ils modifient là-dedans, mais a priori, certaines choses qui sont interdites ici ne sont pas là-bas. Enfin, c'est. C'est vraiment, Ils ont trouvé un truc pour remplacer DMA. Ah, moi, on m'a dit le DMAE. Enfin, ce serait la même chose quasiment. Et ils ont trouvé plein de. Et pour répondre à Frédéric, ça sert à rien d'acheter du Jack 3D pour aller en boîte. Il y avait des produits spéciaux pour discothèque. Ah, les poppers, non? Ah, les poppers, ouais. Je sais pas si. Non, mais en complément alimentaire. Ah. Il y a des trucs qui étaient spéciaux, discothèque. D'accord. Comme quoi, on vend un peu de tout et n'importe quoi quand même. C'est dans les compléments alimentaires, ouais. Il n'y a pas que les compléments alimentaires pour sportifs, c'est un tout petit marché, complément alimentaire sportif. Hein. D'accord. C'est pas un complément alimentaire, mais le Red Bull, c'est quoi? Ouais, donc en fait, justement, tout à l'heure, Fred parlait des. D'Angleterre, etc. Alors là, les Anglais ont lancé, enfin, depuis quelques temps, on parle des exo-androgènes. Donc c'est un complément alimentaire qui est pour l'instant autorisé en France, qui promet... Ça m'étonnerait, hein. Ouais, parce que, alors, concrètement, parce qu'il y en a qui me disent que c'est du... En fait, ce sont des stéroïdes, en fait, qui sont camouflés en exo-androgènes.